Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeant. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire, ne pas s'enrôler et sorcier. Cet homme a hérité d'un pays exsangue et un morceau en 2001. Cet homme a réunifié, pacifié et réformé le Congo. Cet homme a donné la première constitution et les institutions stables au Congo. Cet homme garantit la démocratie effective au Congo. Plus de 600 partis politiques, 6000 associations et syndicats, 400 radios et télévisions, 2000 titres de journaux dans une expression libre. Cet homme a construit et réhabilité plus de 15 000 km² de routes. Congo Airways, Transco, SNCC, Gécamines, Bâtiments intelligents, Pomposo et bien d'autres.
Cet homme a permis aux privés de construire partout au Congo des villas, des immeubles, des entreprises grâce à la stabilité. Cet homme a recruté, formé, équipé les FARDC et la police de la RDC pour la protection des Congolais et leurs biens. 10e armée d'Afrique, Joseph Kabila. Est nécessaire pour le Congo et les Congolais. Bonjour, welcome, monsieur, welcome TV. Je vous aime tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous venons de suivre les images de Moni Cap vers les élections. Élections allées le 23 décembre 2018. Alors, Bouyoka, raisonnement yaba Congolais. Mbote Bandeko, Bouyoka, raisonnement na biso ba Congolais. Très, très important. Bolingi changement. Oui, Tolingi Kabila Alongwa. Te voter nani président ya République démocratique du Congo. Te voter Félix Tshisekedi. Te Félix Tshisekedi Azamayele te. Akende ko livre ba pizza. Te voter Vital Kamerhe. Kamerhe te. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Te voter Sidi Kadokolo. T, Sidi Kadokolo T, Angola éco remplacé Rwanda. Te voter Moïse Katumbi. T, Moïse Katumbi, Aza Zambien. Te voter Martin Fayulu. T, Martin Fayulu, Aza Nagaz T. Te voter Matungulu. Pourquoi pas Matembele? Baboude Matungulu. Te voter Olengankoy. Aza traître, Ozomona Suki na été. Te voter Georges Alula, Ayebanate, Alula Nani. Te voter, on a dit que nous sommes en train de faire un peu de temps, nous na Londra. Te voter Yebabite, Aza Petit, Petit Nabiso ya Kingabwa, Yete, Ba English Eleki. Te voter Vanate Mubake. Ou Pierre Lumbi ou Kaboun, Mokia, Bangon Yosuba Sesanga, Yoka, Balongwakuna. Te voter combattant Moko, ba combattant, ou ba msoabi, ba combattant, fi ba voyou, ba tangate. Bref, Bolingi nani. Réponse, voilà réponse, yaba Congolais, ba résumé, yaba Congolais, pa ngai. Batiaka ka moutou moussousou. Mutu mususu yango nani boyoka akomona na kaka. Bref, jour élection eko salama ata na 2050 boko voter nani bo répondre nanu toyeba mais nga na zeb sabino na le 23 décembre 2018 lokola mutamona ni te bozala mutute. Tout le monde alingi azala président de la République du Congo, bino ba congolais botele melara mutuana. Donc cela veut dire le 23 décembre 2018, le président Joseph Kabila Kabange, le fils de la paix, a rotika la kaka président de la République démocratique du Congo, parce que mututu a robimaza la président du Congo, botele melara ye. Donc pour le moment, et le président Salanga Mawa, ba marche sili. Naïm Sarabino qui va marcher wana eko me mabiso ne eloko moko te. Batuba koufa. Basala soki nenge nini. Eko me mabiso na rien parce que yango te rolongo la président Kabila. Mais après avoir ko bumisa batu. Après avoir bana batu baki ou fele le lobo ndimi bokene na élection Moïse Katumbi ambebi batu na Afrique du Sud batu baki mbangu préparation y élection. Siko bozongi na nzela susu. Oh, quand on est tombé, que non, cap vers les élections. Tout le monde maintenant sont d'accord. Alors, si quoi, on a zo perdre. Alors, bien sûr, dans un système monte le barandé dans sur l'année de volant mon habit. Dans un système qui perd gagne. Vous êtes quand c'est perdre, mais on est en train de gagner. Et on perd système en haut, n'a pas une zone on a quatre na vie n'anga. Vous êtes quand c'est zo perdre, mais n'habit que zo gagner, qui perd gagne. Donc cela veut dire les Congolais ba yibi loko ba yimba salaté. Premier ministre Nabiso Bruno Tshibala azala ki invité officiellement na kati na Grande-Bretagne.
invitation officielle. Les problèmes, c'est les minéraux. Alors, un mois, on a moni, bazo finga ba combattant, mais ba combattant ba zaka fort, au Angleterre. Donc, le coup là, c'est batu bazo banga ba combattant. Visite officielle. Donc, et ça, là, que non, na, moi, baligi ba publier en outre parce que ba combattant ba koya ou menacé, ou un ministre. T'as la raison, mais bisou ba congolais, toujours banga, koubanga leki, koubanga zo bibi, ça n'a mboka la bisou, mboka zo bimaniti. Médiocre à cause de la paix. Premier ministre a eu invitation officielle, mais bazo banga ko publier ngo pourquoi ba combattre ba chatoube. Et ça m'a ngo ba président ba premier ministre ba mboka musu to mona kawa ba yaka na bango ba to manifester ka. Premier ministre enda yaka a bisu za ki invité à cela qui discours na stadia pour nini ya Wembley. À cela qui donc, ministre Alongaki, Cameroun, qui na Cameroun. Mais il y avait des gens qui ont manifesté na bango. Mais Moutaki peut monter. Deux Zalakanango. Ceux qui ont manifesté, ils ont manifesté. Mais le premier ministre Azara Kei, Mokile Yo, qui a dit que ça a bien. Ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu premier ministre ya Congo. Aïe, la carte à grande bêta, tozo banga, batiba yeba. Metala, asali, hard talk na Englishman wana, me bazu ango, ba kongole bazu, ba bimisi ango na YouTube, ba fingi. Mais pourtant, pour ministre, alors bien normal. Alors bien normal, alors bien que y a se reconnaître trois prisonniers politiques. Il y a des prisonniers, oh, baza va prisonnier, ba activiste, baza va politicien, t. Donc, à reconnaître trois prisonniers politiques, où est le problème? C'est normal. Il y a trois prisonniers politiques, où le premier ministre Ndimi, Mabé Zawad. C'est normal, les abonnés, tant qu'ils ne sont pas comme on a. Et puis, c'est quoi? À ça, à l'objet normal. Et puis, on a dit, ils ont un gars qui a dit, mais, il y a un meeting qui a été dans Chatham House, a expliqué tout, on a dit, pour la business vraiment. Il fallait bien inviter les Congolais à la Kati, mais tout le monde l'a peur. Mais ce que nous avons en bon droit, ce matin, nous avons un bon droit. 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 Nali président, il y a Adjo Kaka, les amis de Joseph Kabila Kabange, on a diaspora, on a tchanga kotia, on a mis tchanga mokote, tchanga, on a fondateur, il y a ami de Joseph Kabila Kabange, président Fabrice Zombi. Yo yo menacenga, pour ngai, nazo sipote président. Donc, nous ressemble à yo. Le coup, les amis, quand vous avez dit ça, c'est congolais. Nago senga la juge, ngala auto kende, kosamba na Congo. Tu peux yo expliquer si que ba juge na biso ya kisasa pourquoi yo menacenga wana ozo vrai donc ozo a peine nzela ozo vrai corrompu ya vie et puis on a simba makambono osala te parce que ndé na lobby je suis kabiliste et ça vie privée na ngai na comprendre que dans la vie il faut que yo ba ko supporter muto osala makamalamu ba tu bazo comprendre makama ko ba ozo na ndenga mabé ba bi bozo na besoin kabila azalate. Mais si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de internet, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Mais vous avez un peu si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Alors ça la vidéo a fini pour un ministre parce que Makambalo qui n'a Chatham House mais il a bien parlé pour avoir intérêt à peuple congolais parce que congolais il faut n'engager la soba teki ba miné na biso il faut congolais aille ba kozwa pourcentage ya bien il y a un monique meeting ba ki basala mais il y a qualité pour nini vidéo basali na bango ba bangi jamais ka sangazi a memia ngo sugi wapi pour na nini to lingi commission sasima. Où est la télévision? Il y a biso ba congolais ba landaka ngo awa. Ba mindele pe ba landaka ngo. Si ko pour la dignité ko le sa marcelon awa. Pourquoi? Parce que zo mona ke biso ba congolais to lingi na biso ko mi bimisate. Yango zaka passe.
président Kabila fait indiquer Kabiso. Le 23 décembre, Moutoulokwa Zomo Nanate, na Zonga Nabino Sous Awa, na Royem Sabino Moutou Azala. Président Kabila au Zalaza Nabiso. Tozawana, Bolanda information Oyo, Bomona Nene Moro Mundela Lobike, le président Kabila c'est le roi de la, du monde. Nagouna Baza, il y a République populaire du Congo, mais Yabi, c'est le roi du monde. See you, suivez les informations. Thank you very much. Chose pour le début, hein. Pour une batterie électrique, il faut plusieurs dizaines de kilos de cobalt. Donc si on imagine d'ici 5 à 10 ans, il y a des centaines de milliers, voire millions, hein, de véhicules électriques sur les routes, bah, ça fait un paquet de cobalt. Et ça, oui, c'est un bouleversement, parce que ça donne un pouvoir majeur, actuellement en tout cas, à un homme, c'est Joseph Kabila. Le président de la République démocratique du Congo a récemment annoncé qu'il allait multiplier par 5 la taxe sur le cobalt. Et ça, bah, il peut le faire de manière assez unilatérale parce qu'il est devenu incontournable. C'est devenu le roi du monde, hein, en tout cas le roi du monde des véhicules électriques. Mais est-ce qu'il va le rester? Est-ce qu'on aura toujours besoin de cobalt pour ces piles? Alors effectivement, pour essayer de se soustraire un peu, hein, à cette surpuissance, à cette toute-puissance, il y a des alternatives qui sont en cours d'étude, notamment essayer de remplacer le cobalt par plus de nickel. Est-ce que ça va s'imposer? On ne sait pas. Et du coup, bah, en attendant, les producteurs d'automobiles, mais aussi de batteries, bah, sont obligés de faire avec et sont obligés, coûte que coûte, d'essayer d'avoir accès à ce cobalt, au moins pour les 5 à 10 années à venir. Donc là, le problème, c'est effectivement l'accès à ces matières premières. Et on voit que même des géants comme Apple, aujourd'hui, bah, se font du souci. Bah oui, parce qu'effectivement, dans votre smartphone, il y a aussi du cobalt, quelques grammes, mais il y en a quand même, les tablettes aussi. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, hein, cette démarche d'Apple, parce qu'ils sont allés directement discuter avec des multinationales minières, des grands groupes miniers. Et ça, c'est assez nouveau pour être sûr, hein, d'avoir accès à ce cobalt. Tesla, VW ont fait la même chose l'automne dernier. Et ça montre, bah, que les choses sont en train de bouger, que les cartes sont en train d'être redistribuées. Et surtout que des acteurs qui avant ne se parlaient pas, ne travaillaient pas forcément ensemble, bah, désormais vont devoir collaborer. Merci Nathalie. Chercheur congolais en droit public de l'université de Kinshasa, marié, père de 4 enfants. Voilà, en toute modestie, ma très modeste présentation. Oui, effectivement, par rapport à cette préoccupation-là, je ne fais que faire triompher la science, parce que les recherches m'ont pris presque plus de 5 ans et je ne fais que livrer le produit ou les conclusions de mes recherches scientifiques au regard de notre constitution, vu l'incidence de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011. Je n'ai pas peur parce que ce n'est pas ma modeste personne qui importe, c'est la science. Et qu'il vous soit rappelé, Copernic, lorsqu'il avait dit que la Terre tourne autour du Soleil, on ne l'avait pas compris, mais il a fallu Galiléo, il a fallu John Kepler, il a fallu Isaac Newton, plus tard, qui puisse confirmer cette thèse. La science triomphe toujours. J'ai fait des recherches et j'ai apporté ma très modeste contribution. Mon entourage, effectivement, mon entourage n'était pas au courant de mes recherches. Je gardais secret mes recherches pour éviter qu'il y ait une corruption d'analyse, une corruption de mes conclusions. Non seulement au niveau de ceux qui peuvent être d'obédience de l'opposition, mais aussi au niveau de la majorité. Personne n'était au courant de cette recherche parce que j'avais verrouillé, cloisonné. Il n'y a que un ou deux personnes qui étaient au courant. Parce que je ne voulais pas que mes analyses soient corrompues par de colorations politiciennes. Et en ce moment-là, la science ne sera pas neutre. Mais je me suis rendu compte qu'après analyse de situations
constitutionnelle de notre pays, que les conclusions étaient implacables, qu'effectivement l'actuel chef de l'État n'a fait qu'un mandat et il lui reste un deuxième et dernier mandat sous ce nouveau comptage juridique débuté en 2011 par la révision de l'article 71. Oui, j'aimerais préciser que pour arriver à comprendre les produits de mes recherches de 5 ans, il est important de considérer d'abord l'article 70 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et il faudrait aussi noter l'article 71 précise les modalités d'élection du président de la République. Il est dit dans l'article 71 non modifié, le président de la République est élu à la majorité absolue de suffrage exprimé. À défaut de cette majorité au premier tour, il s'organise un deuxième tour. Et ceux qui viennent en ordre utile, ce sont ceux-là qui sont appelés à concourir au deuxième tour. Lorsque vous analysez l'article 71, pour arriver à dégager la quintessence de la réflexion constitutionnelle et de conséquences des droits, il est important de combiner l'analyse de l'article 71 avec l'article 70 et l'article 74, et vous devez chiter au niveau de l'article 220. Et à ce niveau-là, je me suis servi des différentes règles de droit où nos théorèmes, nos axiomes, nos règles fondamentales qui nous permettent de résoudre des questions de droit. Il s'agit là de la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Au-delà de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, il y a le principe de parallélisme des formes et de compétences. Et il y a aussi la règle de l'effet immédiat. Au-delà de la règle de l'effet immédiat, et enfin, il y a la règle de la non-rétroactivité. Lorsque vous combinez les différentes règles de droit susévoquées, en application de l'article 70 et 71, vous vous rendez compte que notre constituant, à travers l'article 220, a verrouillé certaines matières. Il a verrouillé, entre autres, le suffrage universel. Le principe, il a été verrouillé. Il a verrouillé le nombre et la durée de mandat du président de la République. En imposant la règle de l'immutabilité constitutionnelle, le constituant originel a voulu qu'une fois que la compétition électorale a été engagée, selon la constitution de notre pays, on ne peut plus modifier, intervenir les éléments en rapport avec l'élection présidentielle. Et il faudrait noter que le régime juridique de l'élection du président de la République consiste à l'ensemble de principes et de modalités qui, effectivement, nous permettent de produire le président de la République. Et l'ensemble des principes et des modalités qui organisent l'élection du président de la République doivent demeurer immuables. Or, en 2006, la première élection, nous nous rendons compte qu'effectivement, la règle de l'immutabilité constitutionnelle a été respectée. Parce qu'une fois que la Constitution entre en vigueur, une fois que la Constitution est promulguée, au regard de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, on ne peut plus modifier les éléments. Et nous nous rendons compte qu'effectivement, à l'élection de 2006, on n'avait pas bougé les éléments en rapport avec l'élection présidentielle. Quels sont ces éléments? Au niveau des principes, les principes du suffrage universel, au niveau du principe, la durée du nombre de mandats, au niveau du principe, le nombre de mandats, mais au niveau de modalité, la modalité directe n'a pas été changée. Mais au niveau de départager les candidats lors de l'élection présidentielle, nous nous rendons compte que aussi cette modalité de désigner les gagnants, de déterminer celui que le peuple congolais a donné le mandat, cette règle-là n'avait pas été modifiée.
Lorsque nous analysons l'élection de 2011, nous nous rendons compte qu'effectivement, la modalité qui permettait en même temps de départager les différents candidats, cette modalité-là a été révisée, a été changée. Or, c'est cette même modalité qui permet en même temps de nous produire le nombre de mandats. C'est inséparable. C'est la réalisation de l'élection présidentielle qui permet de compter le nombre de mandats. On ne peut pas compter le nombre de mandats sans la réalisation de l'élection présidentielle. C'est le passage obligé, c'est la voie inévitable, incontournable par rapport à ce qui concerne le nombre de mandats. Puisque le constituant originel a verrouillé les modalités de principe de l'élection présidentielle ainsi que le principe eux-mêmes, on ne pouvait pas toucher à cet article 71. Parce que l'article 71 est l'article qui complète et exécute le principe posé à l'article 70. C'est la partie intégrante de l'article 70. Et par voie de conséquence, lorsque on touche à un des éléments qui entre en ligne de compte du régime juridique de l'élection présidentielle, on perturbe le comptage, le compteur revient à zéro, on recommence un nouveau comptage. C'est ce qui s'était passé en 2011. Parce que, comme vous le savez, juridiquement, on ne peut pas faire rétroagir un article qui ne va pas dans le sens, dans l'harmonie de l'esprit et de la lettre du pouvoir constituant originel. À première vue, lorsque vous analysez l'article 220 de notre Constitution, vous aurez l'impression, littéralement, à première vue, comme si on a seulement protégé le principe du suffrage universel et pas la modalité. Mais pourquoi on ne peut pas toucher la modalité du suffrage universel telle que posée par l'article 70, c'est-à-dire la modalité directe? Tout simplement parce que cette modalité fait partie des éléments constitutifs du régime juridique de l'élection présidentielle. Ce sont les éléments constitutifs du mandat présidentiel, au même rang à ce qui concerne l'article 71. Voilà pourquoi j'ai tiré les conséquences de non-respect de la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Parce que, comme vous le savez, la règle de l'immutabilité constitutionnelle permet de décrire une situation, un état, un régime de droit qui doit demeurer immuable, permet de décrire le caractère immuable, c'est-à-dire non révisable, non modifiable d'un régime de droit. Et dans les cas sous examen, c'était le régime juridique du président de la République. Ce régime ne devrait jamais, jamais alors être modifié, non seulement au niveau de ses principes, mais en même temps aussi au niveau de ses modalités. C'est en même temps, comme je le dis, à ce concert, l'article 74 qui nous permet effectivement de compter la durée du mandat. Cet article ne peut jamais être révisé de la même manière qu'on ne pouvait pas réviser l'article 71. Mais le pouvoir constituant dérivé, en modifiant l'article 71, a complètement changé le système de comptage de nombre de mandats, a impacté substantiellement au régime juridique de l'élection présidentielle. Et par voie de conséquence, c'est un nouveau régime juridique de l'élection présidentielle qui s'applique. J'aimerais préciser que l'article 71, comme je vous l'ai dit, c'est l'article qui nous permet de produire le mandat présidentiel et en même temps de compter le nombre du mandat présidentiel dans le chef d'une personne. Alors, le constituant originaire, en posant la règle de l'immutabilité au niveau de l'article 220, parce que comme je vous ai dit, la règle de l'immutabilité permet de décrire le caractère immuable d'un régime de droit.
Et dans le cas sous examen, le régime de droit qui nous concerne, c'est l'élection présidentielle. Cela voudrait dire qu'une fois que la Constitution a été promulguée par le chef de l'État, le régime juridique ou le régime de droit de l'élection présidentielle ne devrait plus être modifié. L'exercice ou l'expression du régime juridique de l'élection présidentielle s'est manifesté en 2006, lors de la première élection démocratique de notre pays. Et à ce niveau-là, nous considérons et nous examinons en toute rigueur juridique qu'effectivement, la règle de l'immutabilité constitutionnelle a été respectée. Puisque cela a été respecté, le régime juridique devrait demeurer le même, puisque le cycle électoral présidentiel a été engagé, a été déclenché, on ne pouvait plus à mi-chemin, à mi-parcours, modifier les éléments qui concernent le cycle de l'élection présidentielle. Alors, la modalité de désigner les gagnants au niveau de l'élection présidentielle en 2006, comme je vous ai dit, au nom de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, nous nous rendons compte qu'en application aussi du principe ou de la règle du parallélisme des formes et des compétences, que l'élection de 2006 est une élection qui, sur le plan de la forme, sur le plan procédural, parce que pour nous les juristes, nous savons qu'il y a des formes facultatives et il y a des formes substantielles. La procédure, lorsqu'elle est prévue par la loi, et par la loi fondamentale, elle est substantielle, elle est non dérogatoire parce que le constituant, dans son intelligence, a voulu que dans son écriture constitutionnelle, que cela soit ainsi. Cela voudrait dire qu'on ne peut pas modifier la procédure posée par le constituant originel. Seul le constituant originaire dérivé, c'est-à-dire le peuple congolais, par le mécanisme du référendum qui peut en toucher. Et au regard de l'examen de l'élection de 2006, on se rend bien compte qu'effectivement, cette élection avait respecté la forme du constituant originaire dérivé. À ce niveau-là, il n'y a pas eu problème. La possibilité de détour a été respectée. Au niveau de compétences, parce que lorsque les gens sont appelés à un challenge électoral présidentiel, à une compétition présidentielle, il faut finir qu'il y ait un gagnant. Comment nous allons déterminer le gagnant? C'est lui que le peuple congolais a donné le mandat. C'est lui sur qui le peuple congolais a jeté son dévolu. Les critères de désignation ou d'identification et de constatation du gagnant est substantiel. Parce qu'on peut organiser l'élection. Dans le vote du peuple congolais, il a donné qui le mandat? Il a donné qui la qualité du président de la République? Il a désigné qui? Et à ce niveau-là, nous devons nous rabattre absolument aux critères de détermination du gagnant, aux critères d'identification, de constatation du choix du peuple. Et le critère du gagnant tel que posé par le constituant originel, c'est d'avoir la majorité absolue. La majorité absolue, cela signifie quoi exactement? Cela signifie que quand les gens sont allés voter, ceux qui ont réellement voté, ceux qui ont réellement fait un choix en faveur de tel ou de tel candidat, la sommation de ces choix-là, il faut retrouver la moitié plus une voix dans le chef des candidats pour dire qu'effectivement, ce candidat a reçu l'onction du peuple de devenir le premier d'entre eux, de devenir le président de la République. Donc la majorité absolue du suffrage exprimé, c'est-à-dire c'est la moitié des voix plus un. Et à ce niveau-là, en 2006, cette règle-là a été respectée. Le comptage des nombres de mandats est lié à la désignation du président de la République. C'est-à-dire les règles de désignation ou d'identification, de constatation du président de la République, ce sont les mêmes règles qui nous renseignent
que c'est celui-ci qui a reçu le mandat et c'est son premier mandat. C'est inséparable, c'est indissociable techniquement, juridiquement parlant. Et cela a été voulu par le constituant originaire et non par le constituant dérivé. Lorsque nous arrivons en 2011, on se rend bien compte qu'il y a là un changement du régime juridique. Parce que le régime juridique change en termes d'incidence, il suffit de bouger seulement un des éléments en rapport direct avec l'élection présidentielle, vous avez autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir constituant dérivé a évoqué deux raisons majeures pour justifier la révision de l'article 71. La première raison pour justifier la modification de l'article 71 en arguant que certaines dispositions de la Constitution sont devenues handicapantes, qui ne s'adaptent pas aux réalités, qu'il fallait le réactualiser. Et pour l'article 71, il y a deux raisons officielles. La première raison, c'est la rationalisation de moyens financiers. En considérant que l'élection de deux tours coûte très cher à la République. Deuxième moyen, c'est d'éviter les clivages est-ouest. Il se peut que le constituant originel dérivé, le constituant dérivé, en modifiant cet article, a résolu un problème politique, mais n'a pas imaginé les incidences juridiques de cette modification. Et aujourd'hui, nous en sommes là. L'incidence, c'est qu'il a touché au circuit du comptage des nombres de mandats. Et par voie de conséquence, le comptage qui avait débuté en 2006 ne peut plus être comptabilisé en 2011 parce que ce sont deux régimes juridiques différents. Et lorsqu'on applique la règle de parallélisme des formes et de compétences, on se rend bien compte qu'en 2006, sur le plan de la forme, il y avait possibilité de détour. Et sur le plan de compétences, c'était la majorité absolue qui donnait le mandat à n'importe quel citoyen désigné par le peuple. Et lorsque nous arrivons en 2011, on se rend bien compte, sur le plan de la forme, il y a seulement le tour unique. Et au niveau de compétences, c'est la majorité simple. On n'est plus au niveau de la majorité absolue. La majorité simple signifie il suffit d'avoir une seule voix pour être déclaré plus que les autres, pour être déclaré gagnant. Donc fondamentalement, substantiellement, les règles du jeu ont été changées. Et dans le cas sous examen, il me revient de rappeler qu'en 2011, il y a une personnalité non importante dans l'histoire politique de notre pays, à savoir M. Vital Kamerhe, qui avait saisi, au nom de son parti, étant candidat malheureux, la Cour suprême par rapport au contentieux présidentiel. À ce niveau-là, l'opposition qui avait déjà, entre guillemets, perdu, parce que la CENI avait déjà rendu ses résultats provisoires. Donc, il n'y avait pas de raison technique de se priver, de soulever ces moyens de constitutionnalité de l'article 1er de la loi numéro 011/02 du 20 janvier 2011. Et à ce moment-là, le juge du contentieux électoral présidentiel, qui est en même temps le juge du contrôle de la constitutionnalité, se serait saisi pour vérifier si effectivement cet article a un impact, a une incidence par rapport au régime juridique de l'élection du président de la République, par rapport à la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Effectivement, on aurait écarté et par voie de conséquence, on aurait annulé et à bovo, ab initio, l'élection présidentielle serait annulée et recommencée sous la nouvelle, sous la règle juridique de l'article 71 non modifié. En ayant renoncé à ces moyens-là, cela signifie que l'opposition tout entière a adhéré et avait adhéré
à la nouvelle règle juridique du comptage du nombre de mandats. Donc aujourd'hui, on ne peut plus y revenir. Et le fait que notre peuple a participé à un taux de plus de 58% par rapport à l'élection de 2011, cela signifie qu'il y a là une adhésion massive de cette nouvelle règle juridique. Et partant de là, l'actuel président de la République a le droit, s'il le désire, de se représenter pour son deuxième et dernier mandat. Il faut noter que la comptabilité constitutionnelle n'est pas la même comptabilité numérique. En droit, le comptage de nombre tient compte du statu quo, de la forme et du fond de tous les éléments. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut dire que l'élection de 2006 ayant été organisée sous le même régime juridique que l'élection de 2011, qu'on peut dire que techniquement, que quelqu'un a atteint le plafond constitutionnel. Mais par ce bouleversement de l'article 71 par l'article 1, il est trop tard aujourd'hui d'empêcher l'actuel chef de l'État, s'il le désire techniquement, de briguer un deuxième et dernier mandat. Ces problèmes, j'aimerais insister, n'est pas une nouveauté ou une particularité congolaise. La problématique du comptage de nombre de mandats, il s'est fait en France quand le président Jacques Chirac avait initié des révisions. Il savait que techniquement, il avait le droit de briguer encore un autre nouveau mandat parce que là, on avait bougé la règle de la durée du mandat en ramenant de 7 ans à 5 ans, puisque on vous a dit que dans la globalité, tous les éléments en rapport avec l'élection du président de la République, la durée, le comptage, les modalités, les principes doivent demeurer le même. Le président français, Jacques Chirac, a refusé parce qu'il estime qu'il avait une obligation morale, une obligation républicaine, du fait que c'est lui qui est l'auteur de cette révision et qu'il ne fallait pas que le peuple français ait l'impression qu'il a utilisé sa casquette pour s'interniser au pouvoir. Il a renoncé. Le président français aussi, François Hollande, qui techniquement avait le droit, constitutionnellement parlant, de briguer un deuxième mandat, il a renoncé à son droit. Parce que c'est un droit qu'on peut utiliser comme on le veut. De la même manière, cette situation s'est produite au Sénégal avec le président Abdoulaye Wade, qui a été élu en 2000 sous un régime juridique, c'est-à-dire les éléments de ce régime juridique, il y avait la non-limitation de mandat et il y avait aussi la durée du mandat qui était de 7 ans. En 2001, M. Abdoulaye Wade va initier une révision. Et dans cette révision, il change le régime juridique de l'élection présidentielle. Il apporte des innovations ou des modalités suivantes. 1. La limitation du nombre de mandats du président de la République. 2. La limitation du bail présidentiel en ramenant de 7 ans à 5 ans. Et en 2007, il sera réélu sur base d'une nouvelle règle juridique de l'élection présidentielle sénégalaise. C'est-à-dire d'une durée de 5 ans. En 2012, il aspire et il estime qu'il est en droit de briguer un deuxième et dernier mandat. Le peuple sénégalais a compris qu'effectivement le droit était du côté de M. Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés pour le battre démocratiquement. Et pourtant, avant qu'ils puissent se rendre compte de cette évidence, ils avaient tenté d'intimider M. Abdoulaye Wade parce que Wade avait considéré que il n'avait pas fait encore son deuxième et dernier mandat. Mais M. Abdoulaye Wade, comme président et juriste de formation, il savait que le droit était de son côté. Il n'a même pas demandé l'avis consultatif de la Cour constitutionnelle
il n'a même pas demandé l'interprétation de la Cour constitutionnelle en matière des élections présidentielles au regard des différentes incidences de révision qu'il a dû opérer. Il s'est seulement contenté de déposer sa candidature parce que pour lui, il n'y avait pas match, le droit était de son côté. Et arrivé au niveau du Conseil constitutionnel sénégalais, le Conseil constitutionnel sénégalais a interprété la loi, a interprété le régime juridique de l'élection présidentielle. Et effectivement, le Conseil constitutionnel sénégalais a donné raison à M. Abdoulaye Wade en considérant que M. Abdoulaye Wade n'avait pas fait deux mandats et qu'à son époque, quand il a été élu, il n'y avait pas aussi cette règle de limitation de mandat. Par voie de conséquence, M. Abdoulaye Wade avait droit d'être candidat. Bref, le peuple sénégalais a appris le comptage de nombre de mandats juridiques à ses dépens. Parce qu'il y a eu plus de 20 morts au Sénégal. Mais le peuple sénégalais a compris que, puisque le droit était du côté d'Abdoulaye Wade, puisque nous tous nous avons accepté de nous soumettre au droit, aux règles du droit, l'état de droit, et que puisqu'il y a eu ces incidences à travers les différentes modifications de la Constitution, nous ne devons pas brûler notre pays, nous ne devons pas consacrer les chaos de notre pays, nous ne devons pas créer un recul malheureux en excluant M. Abdoulaye Wade parce que la discrimination constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a rejeté notre façon de voir les choses. I've been doing wrestling for 28 years now in Congo. And they used to call me in Congo Lion King because I was my country wrestling champion. So wrestling is not like in England. And there is only few people like wrestling. But in Congo, it's like a national sport. Back. This, okay. Properly, Luca, leave there, like me. Watch me. You see me? Okay, you ready? Go! So this is the kind of the fight I was telling you. This is me. This is my fight. I'm fighting two people. But then people, because they have the voodoo, they trust they could beat me. Voodoo star. They use the voodoo. I mean, if you are not that really strong in spirit, you gone. Must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey, must be a devil between us. Hey. So this is like a champion. So he has like a voodoo staff. When he's fighting, so you can't even catch him. I went there to beat one of their best voodoo men. They're scared, but they know I'm a pro wrestler. So we went there, we fought them, we beat them. That was not easy. In November, we have a big fight in Africa. We're bringing wrestlers from England, some wrestlers from America, to fight voodoo fighters. We have a sponsor from Congo, a brewery company and a phone company. I mean, it's not easy fighting a voodoo guy, a voodoo fighter, because what is going on there inside, you never know. So that's why we're bringing the cream of the cream, the best wrestlers. Thank you.
Zambi wa mikula ya chizileyo.